Salut tout le monde, c'est Vandrak et on se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode de Super Mario 3D World. Et on s'était quitté la maison de Boo. Et ça a débloqué ce tuyau qui nous mène juste sur cette plateforme où il se trouve la maison avec les 10 étoiles. Visiblement, il n'y a rien d'autre. Ici, griffe à l'air dans la maison mystère. Maison mystère. On a carrément deux trucs. Ah, faut vraiment être en costume de chat là, visiblement. Pas le choix. Si t'en as pas, ça marche pas. Oh la vache, c'était tendu. Et pile poil le truc là. Mais c'est les mêmes en plus compliqué quoi. Oh la vache, ça c'était plus que tendu. Oh la vache, mais les deux derniers là, waouh. Waouh quoi. Pile poil sur la dernière seconde, hein. Surtout le 9e, waouh. J'ai bien cru que ça allait pas le faire. Hein. Il est fantastique ce niveau, je le trouve sublime, aussi bien visuellement que le niveau de l'audio, de la BO, là, de la musique de fond est franchement excellente. Allez, Bowser 7, balade à dos de Balabam. Ah, d'accord. C'est ça les Balabam, ok. Ok. Prévenez, je sais pas, moi, dites, faites quelque chose. Mais what the fuck, quoi. Ok. Ok. Je sais pas si doit être les petites souris, moi j'arrive pas à me déplacer aussi bien. Ok. En plus, faut savoir dans quel sens il va, donc faut voir. Le chemin par terre, là, il va partir, voilà. Mais what, quoi. Waouh. Ça va être marrant. Ou pas. Continue là, ouais, il continue en plus. Et puis il y a une plante à la con qui va me cracher des flammes dessus. Oh la vache. C'est déjà 4 vies de passer dessus quoi. Voilà quoi. Il n'y a rien au-dessus. Hein. Ah mais il y a juste à courir en fait. Je m'embête la vie pour pas grand-chose. Ouais, non mais c'est pas... Ok, non mais il y a juste à faire comme les petites souris, d'accord. Non mais je prendrai pas ce truc là. Ah
Ouais, mais même juste en marchant, c'est pas vraiment plus facile, quoi. Un petit peu quand même, si. Ok, bon. Allez. Ok, non, une fois qu'on a compris le principe, il y a juste besoin de courir et pour faire autre chose, ça se passe déjà un petit peu mieux, quoi. Ah, ça peut aider, ça, ouais. Vas-y, amène, amène, amène. Oh punaise, d'accord. Ok. J'adore ce nouveau, j'adore ce nouveau. Ouais, non, mais là, sans le costume de raton laveur, ça aurait été franchement chaud. De récupérer le tampon. Dégage, toi. Ah punaise, c'est vrai qu'il laisse des trucs derrière eux. Ouf, ils m'ont ordonné. J'ai eu de la chance. Ah, ça va être plus tendu là, d'un coup. Parce que les bords vont être plus longs. Wow, 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 wow. Ah, puis je vais reprendre là, quoi. Ok. Donc, ni tampon, ni deuxième étoile. Ok. Et j'ai plus le costume qui me permet de flotter. Donc, pour récupérer le tampon, ça va être coton. C'est ce que je dis, on va laisser tomber pour le pour le tampon. Là, je crois que c'est pas la peine. Sans le bidule, ça va pas le faire. Mais il m'empisse trouille là. Oh. N'importe quoi. Hop, 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 hop. Dégagez les gars là. Vous m'énervez avec vos traces par terre. Là. Ok, il me remettre des petites souris en plus. Mais c'est bon, j'ai compris le principe, les gars, là, maintenant. Même si c'est un peu tendu, j'ai compris le principe. On va tricher pour le drapeau. Ouais, je m'attendais pas du tout à ça, là. Niveau... Enfin, c'est pas de niveau difficulté, si vous voulez. Enfin, un peu quand même, mais... Ouais, imiter des souris, ouais, bah oui, ouais. Mais le conseil vient un petit peu tard, parce qu'une fois qu'on a fini le niveau, on voit ça, donc... J'aurais juste à récupérer le tampon. Allez. Bowser. Ah, Globulobos va encore plus rouge.
Je ne sais plus à quoi il ressemble le lobby le boss. Ah bah si, oui, d'accord. Celui qui se sépare en plusieurs petits trucs. C'est cela même. Ah oui, ça me met des ondes de choc et tout carrément quoi. Mais donnez-moi ma cerise. Ah oui d'accord, ça servit à rien. Ça servit à rien que je la récupère. Viens par là. Encore un coup. Ouh, punaise. Allez, dégage. 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 Hop. Ouf. Hop. Rentre dans le tuyau. Bon, on avance, on avance, on a bientôt fini ce monde, ça en fera 8 de terminer, il devrait rester 4 je crois, quelque chose comme ça. Donc on n'est pas encore fini, les vidéos, enfin la série n'est pas encore finie quoi. Hop hop hop. B, le Bowser B, le retour de l'aéro-chapiteau des Mambaristo. Ah, c'est les espèces de serpents, c'est ça. Vous auriez pu les remettre dans l'ordre. Mettre celui-là en A, puis l'autre en B. Oh, juste une pièce, n'importe quoi. Déjà ça va peut-être aller mieux. Boum. Je sais pas si elle va me faire une attaque rodéo ou juste de sauter dessus, c'est suffisant. Non, trop haut. Trop. Mais il est à bonne distance. Voilà. Non, trop le dernier encore. Ok, bon. Lui veut me bouffer. Ok. Vu sous cet angle. Oh, une costume de chat. Ah, juste sauter dessus, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de faire une attaque.
Ah, il veut me bouffer lui, non, laisse tomber. Boum! Avec le costume de chat, ça va tout de suite beaucoup mieux. Hop. Donc on débloque le château poseur. Avec 240 étoiles, je pense que ça doit être bon pour débloquer la suite. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Ah oui. Largement. Largement, largement. Allez, tour infernal de Bowser. Oh, il y avait un champignon à côté. Un champignon de vie. Ah ouais. Ah, c'est sa bagnole qu'on a défoncée dans le précédent château. Toi aussi. Ah punaise. Bah ouais, mais bon, il y en avait à gauche, il y en avait à droite, il y en avait partout là. Ça devenait un petit peu compliqué. Ah nickel, regarde ça. Alors évidemment, ça va en dessous, autant en dessous. Hop, on va attendre pour aller chercher l'autre. Je sais même pas si ça fait quelque chose. Hein. Hop. Ah bah j'en ai déjà loupé une. Je ne vois pas où, mais c'est pas grave. Hop. Hey Todd. Bah tu me donnes rien, tu fais rien, tu... Juste coucou. Ok, ok, bon. Captain Todd qui sert à rien, il fait juste coucou. C'est top. Wow. Deadline n'empêche. Wow, qu'est-ce qu'il vient foutre là maintenant lui? Oh, comme il deadline comme ça. Ok, la caméra serait bien qu'elle suive un petit peu de temps en temps. Là. Je sens que la caméra va être très agaçante. Ah.
Oui, bah, la caméra va être très agaçante, c'est bien ce que je dis. Ouais, ce serait bien que ça défile là, parce que c'est très agaçant les trucs automatiques comme ça, franchement j'ai horreur. Quoi? C'est une blague? Ah non, ah, d'accord, je me disais aussi. Ouais, moi je peux rien faire. Je suis dans le tuyau. Oh bah il prend des cerises aussi. Non mais je crois où lui. Retrouver le contrôle de la caméra serait franchement top pour celui-là. J'ai voulu voir si on pouvait le taper, mais non, visiblement, on ne peut pas. Quelle mousse, là. Bordel. Mais c'est très énervant, les caméras qui ne suivent pas le mouvement. Ok, ok, vas-y, dégage, dégage, dégage. J'espère qu'ils vont m'en redonner un autre. Allez, mais la caméra, elle suit pas, la monte. Bah ouais, non mais sérieux quoi. Évidemment. Excellent. Non mais la caméra qui suit pas, c'est très agaçant quoi. Surtout quand t'as des ennemis qui sortent de nulle part. Même si tu voyais les murs fissurés, bah tu pouvais pas en faire plus vite parce que la caméra n'avance pas plus vite. Voilà. Non, on peut pas les appeler générique. Non, on peut rien faire du tout. Bon.
ça c'est nul ça. Les génériques qu'on peut pas zapper, franchement c'est très agaçant. Surtout que là ça met les machins YouTube sur le générique. De toute façon ça me le met sur toutes les vidéos sur cette série. C'est un truc de dingue. Il n'y en a aucune qui peut être monétisée. Le meilleur temps réalisé dans chaque stage sera désormais affiché. Des mi-fantômes très rapides pourront désormais apparaître dans les stages. Mais encore. Oh, Deadline, celui à tampon. Franchement, moi j'aime bien le design. Le design de Bowser chat. Jouer à Luigi Bros, une version revisitée du classique Mario Bros dans lequel Luigi remplace Mario. Tu vois, pour quitter le logiciel, toucher quitter du logiciel. What? Oui, mais si je fais ça, ça me ramène au menu de la console. Ah, c'est ce jeu-là, d'accord, oui. Bon, allez, bouge. Ok. Ouais, bon, bah non. Laisse tomber. Hop. Ça a rien au menu de la Wii U, c'est bien ce qui me semblait. Bon, faut que je relance le jeu. Je voudrais bien débloquer le... Je voudrais bien débloquer le prochain monde dans cette vidéo là. Allez. Bah alors. Excellent. Vas-y. Un nouveau monde vous est désormais ouvert. Voilà, donc on s'attaquera à ça dès le prochain épisode. Je tenais absolument à le débloquer en votre compagnie. Pour que vous sachiez qu'on continue l'aventure. Captain Toad. Un tampon, on verra ça après. Là c'est très linéaire, hein. Là tu peux pas te tromper. Et logiquement c'est dans ce monde qu'on débloque
le personnage Harmony. Bon, sur ce, je vous dis ciao et à bientôt pour attaquer ce monde étoile. Allez, ciao. Abonnez-vous, mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, je le dis pas souvent, mais bon, pensez-y. Allez, salut.